café chrétien. Café est un loco oyo et pèse à biso makasi. Bon moto à la bonité. Alors on a comparé si koyo café oyo pour se toujours parler des choses spirituelles. Amen. Café oyo na comparé parce qu'on a passage mon corps et ça na livre ya Romains chapitre 13 verset 11. Bible le biboui. Ce qui importe, vous savez le temps où nous sommes. C'est le temps de vous réveiller afin de sortir de votre sommeil. Amen. Car le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Ce qui nous a développé le passage Oyo, l'apôtre Paul ne formule pas de critique de la vie spirituelle des Romains. Mais il est exhorté à la vigilance du salut définitif. Qui nous sera porté lors du réveil. Il y a un mot qui est un café, mon sou bar, un café, 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 un que Dieu a placé sur ces gens afin qu'il leur donne la nourriture au temps convenable. Au temps convenable. Heureux ce serviteur que son maître de son retour le trouvera faisant ainsi. Abi, je vous le dis en vérité, il lui établira sur tous ses biens. Dans le temps où il a commis, il a tant coupé sa banane en Zambie. Café. On va coller la thé. On va coller la thé. Oh, bah, qu'on a une distraction. Distraction, parce que notre adversaire, c'est un grand stratège. Il y a une stratégie moderne à moderne. Il y a un moment Jésus aussi avait sa stratégie. La stratégie de Jésus était au moyen de plusieurs paraboles qui avaient comme thème écoute. L'écoute et la mise en pratique nous donnent la force et la victoire. La victoire. La parole de Dieu, papa, c'est la laisser prendre racine dans le cœur. C'est-à-dire, au plus profond de l'être humain, là d'où jaillissent les mots et les actes. Et les actes. Il faut que la parole de Dieu ait des racines dans ton cœur, mon frère, ma soeur. Il faut que la parole de Dieu devienne partie intégrante de ton être. Exactement. Balinga mikati na Yesu. Café chrétien, émission na yo, émission na ye, émission.
eloko oyo epesaka biso makasi po moto ala la bongite bazali ya kolimba ala muka. Alors na compare sikoyo café oyo po se toujours parler de choses spirituelles. Amen. Café oyo na compare ngo sikoyo na passage moko eza na livre ya Romains chapitre 13 verset 11.